English Teaching Program, 48 nouveaux apprenants. Le ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabach, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis, Robert Yamate, ont félicité les 48 élèves provenant de 11 lycées publics d'Antananarivo qui ont été sélectionnés pour participer à un programme d'études d'anglais de 2 ans au sein de l'English Teaching Program. La cérémonie de lancement de la 6e tranche du programme English Access Micro Scholarship s'est tenue ce matin à l'American Center Tanzimbat. Le programme vise à aider les jeunes talentueux âgés de 13 à 20 ans, issus des secteurs économiquement défavorisés, à acquérir des compétences en anglais grâce à des cours après l'école et des sessions intensives. Une bonne maîtrise de la langue anglaise conduit à de meilleures perspectives d'éducation et de carrière, à la possibilité de participer dans le futur à des programmes d'échange aux États-Unis. Elle permet également d'apprécier la culture américaine et les valeurs démocratiques à travers des activités culturelles.